Et salut à tous, c'est Tito Goffet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo sur Trix. Trix, le hacker feu, je pense, qui est le meilleur de sa famille en élémentaire. On va regarder un petit peu dans quel cas de figure vous pourrez le jouer si vous avez eu la chance de le dropper. Et bah, un petit counter simple que je vais vous donner aussi. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, directement parti avec la découverte du kit en 2 spi. Skill 1, Sane Brand avec 70% de chance de pose, donc un très bon skill 1. Le skill 2, il tape 4 fois avec 70% de chance à chaque fois de poser un des effets entre le break death, le slow et l'effet bénéfique bloqué. Le skill 3, eh bien, c'est en deux parties. T'as un strip à chaque coup avec 50% de chance, donc il tape 4 fois sur son skill 2, 4 fois 50% de chance de strip, ce qui est très intéressant. Et la seconde partie, à chaque fois qu'un ennemi prend un tour, eh bien, ses HP se voient diminuer de 3% par effet néfaste sur lui. Voilà. Lead 44, arène, intéressant, oui et non, on l'utilise pas trop. Et des stats plutôt intéressantes. Donc voilà pour le kit de Trix. Maintenant, voyons directement un petit peu ce que ça donne en RTA. Bon, du coup, le petit Trix numéro 1, avez-vous été là ou pas la ref? C'est que le plus gros counter de Trix n'est autre que Egang. Allez, mise en situation. First pick Adriana, ça part sur en jumeau haut qui revient de plus en plus dans la méta. Ça, je vous ferai une vidéo dessus aussi, hein, vraiment. En jumeau haut, j'aime beaucoup ce mob. J'ai pas mal de choses à dire dessus. Ça arrivera soon, semaine prochaine ou quoi. Faut pas que j'oublie. Et là, du coup, regardez la petite draft, du coup, avec la petite... le petit hacker feu, plutôt. Alors, du coup, skill 2. Alors, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Alors, il y a pas beaucoup de dégâts, là. Je sais pas si le hacker feu va pouvoir faire quelque chose ici, honnêtement. On va voir, hein, parce que là, oh, on récupère déjà nos CD. On va faire le skill 2. Donc, on met beaucoup de debuffs. On est en désespère. Oh, le Tielong qui tape dessus. Bon, je fais en mode choqué. Bon, ça va, ça fait pas trop de dégâts non plus. Et on tank extrêmement bien. Donc, forcément, voilà, là, on va se faire allumer. Donc, on perd directement. Donc, en gros, quand on garde sur Ragdoll, oubliez le mob, ça ne marchera pas. Tu prends trop de tours et t'as pas assez de dégâts pour passer, tout simplement. Donc, là, la draft de Gunsurt, t'as l'impression qu'elle est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de trucs, mais en fait, non. Alors attends, parce que là, en vrai, le multit avec les petits procs là, il fait quand même pas mal de dégâts. Mais je pense que là, voilà, on a 50% de chance de stun plus avec le en jumeau haut. Oh, maintenant, j'ai envie de faire une vidéo sur le en jumeau haut. En vrai, c'est vraiment pas mal comme mob. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment l'avoir. Je l'ai pas. Et je le trouve vraiment cool. Moi, perso, quand la famille est sortie, j'ai mis mon veto dessus. J'ai dit, lui, ça va être le meilleur. Bon, du coup, showcase en jumeau haut, pas du tout pour le hacker feu. Mais le hacker feu, voilà, en gros, contre des compos où il y a beaucoup de sustain, c'est pas si fou que ça. Allez, tétra suivante, Exodus First Pick Egang. Donc, forcément, le plus gros counter à au hacker feu. On prend un petit saga, j'aime bien la draft à gauche. Waouh, et ça pourrait lui dire, non, mais en vrai, elle me régale. Ça ban Oberon, ok, très bien. Et du coup, ben là, il y a pas trop de sustain en face. Donc là, je pense que ça va vraiment cliff sale. En fait, il y a rien. La draft en face est nulle. Elle est nulle, hein. Là, Egang fait skill 2, boum. Alors là, il y a le boost ATB, du coup, on va pouvoir faire le skill 2, mettre les break def, voilà, on a un petit proc, bon, il sert pas à grand-chose. Et là, ben, objectif cleave, hein. Donc en gros, ben, il servait de stripper, de break def, et derrière, la Simane n'a même pas besoin de mettre le break def, hein, voilà. C'est violent, hein, comme compo. Bon, ben, on va revoir un petit cas de figure contre du gap sous ragdoll. Donc voilà, moi, perso, j'aime pas du tout le hacker feu contre ça. Ça n'a pas assez de dégâts, en vrai, de vrai. Bon, je pense que c'est Sonia ban, hein, comme... Non, ah, ban saga, ok, très bien, wait. Alors du coup, attends, la Sonia va tuer un truc là quand même. Wait. Et tu Ominato normalement? Ouais, bah oui. Et là, tu fais comment? Oh, wait a minute. Donc là, on peut strip, mettre les debuffs. On met un stun d'espère. Ouais, c'est pas mal là quand même. Et là, la Amber, elle va faire un café de fou là. La Amber, là, elle va faire des dégâts. Ça fait mal là, ce truc là. Regarde, regarde le Red Bull. Ok, il y a les Antilles en plus. Wait. Oh, nice. Et là, on tue juste le Ragdoll et normalement, on est fine. Oh oh. Non, du coup, il faut pas aller dessus. Faut pas aller sur le ragdoll. Ouais, ok, très bien. On va plutôt aller sur... Oh, attention là, parce que les revenge stuns, ça fait mal. La Sona qui doit récupérer sa spell le plus possible pour pouvoir tuer d'autres mobs. Et là, bah, on est quand même pas trop mal, hein, honnêtement. On a déjà Amber qui a son spell prochain tour. Et Amber, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. J'aime bien. Alors par contre, là, on va faire ce qu'il est, on va tuer. Mais on risque de perdre notre Amber. Aïe. On proc. Oh là 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 là, ça va être chaud là, non? Ouais, hein. Aïe aïe. On a le skill 2 avec Sonia, mais je pense pas qu'on a envie de le faire. What? Il a mis crit. Quoi? Et ouais, comme je disais, de façon générale, contre les gaps sous Ragdoll, c'est pas si fou que ça. Par contre, j'avoue, la petite rotation Sonia était bien. Là, la Sonia carry, par contre,
Pas Creed, qu'est-ce qu'elle a fait? Là, on est sur un cas de figure où potentiellement il peut fonctionner le mob. On balle dans les gangs parce que forcément c'est. Bon, là, tu vois, déjà, c'est mal vu de sa part. Hein. En vrai, de vrai, bon, pas pour critiquer la personne, mais quand tu prends le hacker feu et que le mec a déjà pris les gangs, bah, normalement, ça fonctionne pas. J'imagine qu'il veut limite test le mob. Mais ouais, les gangs, plus gros counter de ce mob-là, t'es obligé de le ban. C'est comme si tu prenais Janna into a gang, quoi. Donc voilà, tu vois, tu peux strip, break death, il y a les stun d'espère, ce qu'il en espère. C'est pas si mal que ça. Là, on a Cassandra feu, on pourra aller tuer directement la Vanessa. Hop, on a toujours. Will, du coup, on pourra mettre le skill 3 quand même avec le Chandra pour pouvoir mettre les slow et pouvoir boost ATB. C'est plutôt pas mal. On met un Sun Despair également. Et on voit que ce tower est Omega Squishy. What the fuck? On stun, hop. On va tuer le tower et puis bah, c'est gagné. On a le reset. Nice. Et là, les break death à l'open plus le strip, ça a aidé à avoir beaucoup de dégâts dès le début. C'est pas mal. Alors, du coup, dans ce cas de figure. First pick Viva Shell, ça part sur Moore et bon, en fait, et ça prend les gangs, forcément, Counter Ultime, Devaraja, Elenoa, Tomoe, nice, et un petit Zebala. J'adore la compo à droite, honnêtement, ban Elenoa, j'aime beaucoup la compo à droite, là, vraiment, je trouve cool. Alors, donc, on fait skill 3, on donne pas de tour, ok, bah oui, forcément, on n'a pas de contrôle ATB. En vrai, juste peut-être mettre un robot Dark ou quoi, ça aurait été peut-être mieux hein, pour synergiser avec... Avec Zibala, je pense vraiment quand vous jouez Zibala, il faut jouer un robot hein, 9 fois sur 10 ou bien LD avec, mais si vous en avez pas, ça marche pas hein, Zibala, je pense. Il faut jouer Shir à la place, c'est mieux. Je pense que ouais, à la place de Zibala, j'aurais mieux Shir, t'aurais été mieux. Après, il est pas si mal que ça. Hein. Là, il peut spread, les stuns, tout ça. Il faut absolument, bah, il va aller tuer, je pense, tout ce qu'il peut. En vrai, de vrai, il va pas aller sur la navelle, je pense qu'il va juste tuer tout ce qu'il peut. Si la navelle proc, tant pis, j'imagine. La navelle proc, tant pis, j'imagine. on tue toujours pas, ok là on tue du coup, est-ce que là il peut le faire honnêtement, en vrai de vrai je pense qu'il peut le faire, vraiment. Oh le sun élément opposé pour pas se prendre le break death, mais il y a le cleanse, oh, ok en vrai ça devient compliqué quand même. Je pense qu'on a récupéré les skills 2 avec Moore, non j'ai rien dit, never mind. Là on va prendre des gros dégâts, ouais, aïe, oh ça crit pas, heureusement on a le skill 2, on met pas le stun, on va spread du coup, ouais. Moi j'aurais quand même peut-être fait skill 2 de Tomoe sur Devaraja pour être sûr au moins de spread, essayer de spread plutôt sur Annabelle le skill 2. Ok, et finalement ça perd. La Annabelle qui était vraiment clutch ici. Waouh. La petite taf suivante. First pick et gang, donc vous imaginez bien. Oh, salut Tomoe et Leila en face. Bon, il va jouer du coup. Voilà, le petit hacker. Et ça joue une Amber également. Ça va ban le gang, forcément. Ça ban le chakra, ok. Et du coup, qui prend le premier tour aussi? C'est la 5 mètres, je pense qu'il va pouvoir aller reset la Tomoe. En vrai, c'est le bon choix. On fait skill 2, on met les break death. Le stun d'espère. Et derrière, là, la Amber. Oh, avec le setup break death, les dégâts, insane. Par contre, on a quand même, voilà, la bête qui va pouvoir jouer, mais elle met pas grand chose. Là, elle est là, va pouvoir jouer également. Oh, elle rate, heureusement, parce que du coup, on va pouvoir mettre hop là, des bons dégâts et mettre des slow. Boost ATB également. On a le skill 2 et on gagne. Bah là, le setup de Hackerfeu qui était insane pour la Amber. GG, hein. La petite draft suivante, First Pick Chandra, ça part sur Vanessa et Sagar, ça part à nouveau sur la Cœur Feu et Insekmet, donc la même draft qu'on a vu tout à l'heure, et là il force malgré le Veromos, l'Amber, il se dit pas de soucis, voyons voir comment ça se passe, est-ce que Veromos est un counter, pour moi Veromos est un counter, bon, on est quand même sur un mec qui joue une Barbara Swift qui outspeed tout le monde, du coup il peut aller chercher les CC, mais il y a Chisuka. Bon, c'est quand même un cas assez spécial, on va pas se mytho. Il met pas la bombe, il se dit, j'ai pas envie qu'on me revoie la bombe. Mais il se prend quand même pas mal de debuff, du coup, au final. Et là, on a le T2 quand même qui va faire mal. Hein. Hop là, l'Amber qui va faire les dégâts derrière. Mais je pense pas qu'on va tuer le Vermus. Hein. Oh, le bon petit proc quand même. En plus, j'avoue, il faut qu'on tue la Vanessa en premier. On tente la contrôle ATB sur le Vermus, on n'y arrive pas. Et là, Vermus va faire un taf monstre. Donc, ouais, en vrai de vrai, Vermus, c'est trop fort contre ça. En fait, bon, contre Amber, c'est trop fort. Mais même contre le Hacker Feu, c'est beaucoup trop fort. Hacker Feu met beaucoup de debuffs, mais il burst pas. S'il n'y a pas de setup derrière pour aller chercher le Veromos, c'est-à-dire un contrôle ATB ou bien un Okamonoid, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà un autre cas de figure où eh bien, le Hacker Feu ne fonctionnera pas. Et si vous jouez contre des Veromos et que vous n'avez pas le burst pour aller le chercher. Bon, allez, du coup, là, on tape dans le lourd. Hein. Du gros G2, les gars, ça part sur Egang et il prend quand même le hacker feu malgré le Egang et Zenizek, ça part sur Neki QD, ça part sur du gros LD dans tous les sens, le Egang forcément est un force ban, vous savez bien maintenant j'ai dit 15 fois dans cette vidéo que c'est le gros counter du mob,
Il va se faire cleave, non? Wait, bah oui, hein. Bah oui, hein. Il se fait le skiff CC. En gros, là, le... Ah, mais non, mais c'est vrai qu'il y a Zenizek, quand même. Mais bon, ça changera rien, en vrai. Et il contrôle ATB. Je pense pas que ça va suffire. Attends, parce que... Attends, parce que Zenizek Lucia, c'est broken, hein. Parce que du coup, la contrôle ATB, il était pas insane. Même s'il y a eu pas mal de debuffs, le QT a pas pu réduire plus que ça, l'ATB. Oh, le Zenizek Lucia qui a carry de zinzin. Mais what? Insane. Mais à nouveau, c'est un peu le cas de figure que j'ai dit tout à l'heure. Hein. T'as pas de burst pour one-shot les mobs, ça ne marche pas. C'est ce qui s'est passé ici à nouveau. Il n'y avait pas de burst pour gérer l'anti-cliff CC. Et du coup, il s'est fait la VO T2. First pick Oliver, ça part sur du Moor Tien Lang. Et il part sur Rylai Gabsu tout de même. Nikki QD, boum, ça part quand même sur Ragdoll. Voilà. Même s'il y a, Tien Lang. Et ça va le QD, ça prend l'aspect le hacker feu. Et là, on est dans le setup où il y a Gabsu Ragdoll. Et on se dit, oui, bah du coup, il n'y aura pas assez de dégâts, tout ça. D'accord. Sauf que là, il y a Nikki. Et quand il y a Nikki, c'est la différence, tu vois. Parce que Nikki met l'anti-heal. Et en plus de ça, met des bons dégâts. Donc on va strip, mettre des dégâts. Et là, bah voilà, tu vois. Et là, du coup, dans ce cas de figure, je pense que contre Gabsu, Ragdoll, c'est quand même fine de jouer le hacker. Par contre, on met trop de dégâts. Du coup, on a mis trop bas HP le Ragdoll. Du coup, il lap des tours. Il va mettre des inner death tous les tours. Non! Oh, il la sleeve, la chance! Oh, il a clean, il joue sur 3. Oh non, il va se faire solo Ragdoll. Non, c'est trop grave. Oh, s'il te plaît, juste pour le fun. Non, c'est trop grave. Oh, il s'est fait solo. Oh, il l'a strip. Ah oui, il peut strip. Oh là 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 là, il a pu strip, les gars. Non, mais c'est trop fort. Ok, wow, ça fait hyper tirant sur 7, ce replay est incroyable. Alors, petite offre suivante, First Pick et Gang, ça part sur Tomoe et Moor. Ça voulait partir sur une vilaine Layla, 100%. Oliver Juno, ça part sur bah, Nick. Bah, en fait, du coup, tu sais que le ban va être Gang, forcément. Voilà. Et une Elenoa. Alors là, tu vois la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y a Veromoth, mais il y a du contrôle ATB, tu vois. Donc, en gros, là, il y a plus de chances qu'ils s'en sortent, même si là, le problème, ça va être la Juno. Là, le problème, c'est la Juno, c'est pas le Veromoth, ça va être la Juno. Je pense que il peut gérer le Veromoth, tu vois qu'il prend beaucoup de dégâts, mais malheureusement, il va pas pouvoir gérer cette Juno. Voilà. C'est ça le problème. Tu vois, elle remet tout le monde à flot à chaque fois, alors que bah, elle se fait juste stun. Voilà. Et là, c'est la Juno qui est en train de solo la game. Donc pareil, là tu vois, il y avait du cycling, donc c'est bien, mais il y avait une Juno. Donc à nouveau, ce mob-là se fait counter de fou par Veromoth et bah, avec Juno aussi. Compliqué. Il aurait fallu prendre un knocker monoïde à la place de Elenoa, je pense. On va décidément comme Fly With Me qui nous régale avec le hacker feu. Tianlang hacker feu directement. En vrai, ça synergise bien ensemble, je trouve. Il y a un petit Ragdoll en face, du coup, le Tianlang est bien. Ban Dominique. Le Dominique était smart, j'ai bien aimé. Sous le breakdev, tu vois, un gros knocker, pas mal. Mais du coup, on laisse le Egang et le Egang, c'est problématique. Bah, du coup, on fait rien. Même s'il y a. À Tien Lang, voilà. Heureusement que le robot. Attends, mais d'ailleurs, le robot, comment ça qui joue en dernier? C'est quoi ça? J'ai pas fait gaffe, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé avec le robot là qui joue dernier? Attends, quoi? Il s'est trompé, il a pris un truc en Emesis, j'ai pas suivi. Par contre, il a rien ready comme ATB parce qu'il n'y avait pas ATB à absorber et en plus, il y avait Tien Lang qui le nerfait. Donc, il est quand même dans la panade. Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Je pense que c'est compliqué là, en vrai de vrai. Et le truc, c'est que ce truc là strip à chaque fois qu'il tape et du coup, bah, à chaque fois, il va donner de l'ATB à. En fait, il prend trop d'ATB en face. Hein. Même si Tien Lang, il prend trop d'ATB. Bon, en vrai, Tien Lang joue tout le temps aussi, certes. Mais je pense qu'au final, c'est quand même avantage à Aegang. Aegang, vraiment une tuerie. Hein. Voilà, tu vois, à nouveau, boost ATB de 20%, tu vois. Oh, c'est pas terrible. Heureusement qu'il proc tous les tours, honnêtement, parce que sinon, il s'en sortait pas. Bah, il s'en sort même pas spécialement en soi. Il s'en sort même pas au final. Layla qui n'arrive pas à mourir. Il survit à un pixel HP. Aïe, 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 aïe. Et ouais, hein, à chaque fois que le hacker feu tape sur un buff, il le strip et si il gang, bah, boost ATB de 20% sur toute la team. GG, well played des gangs. Il peut plus gagner. Allez, un petit dernier pour la route. Donc, first pick et gang, ça part sur Moor, Tomoe, ça part directement sur CP et Maximilian. Et il force, du coup, le hacker feu. Voilà. Juno, évidemment, réponse Minato. Le gang qui est le force ban, je l'ai dit 15 fois. Alors que là, il aurait pu juste prendre un robot, hein, un robot plus Mourishir, ça suffisait. Mais bon. Donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, heureusement, bah,
il a laissé le mou réussir quand même, donc il va quand même pouvoir strip mettre les breakdef. Et là, tu vois, il y a du contrôle ATB. Il y a du contrôle ATB, plus il y a du burst pour aller one-shot la Juno, parce qu'il y a le échec à son skill 2 pour aller tuer, voilà, tu vois. Donc là, la différence par rapport aux autres games, et du coup, là, c'est valable, c'est qu'on on a de laisser du coup une Juno, c'est qu'on a du coup de quoi aller la gérer à l'open, tu vois. Donc le Shear avec un break def, forcément, c'est une super bonne idée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit que Zibala, c'était pas terrible, et c'est mieux de jouer Shear, c'est notamment pour cette façon de jouer, en fait, justement, avec, avec le hacker feu. Et grosso merdo, en fait, c'est un peu comme mon gameplay où je joue Ren, sauf que bah, il joue ça à la place, tu vois. C'est ça que moi, j'aimerais bien l'avoir pour jouer dans mon gameplay à la place de Ren. Je pense que c'est vraiment intéressant. Alors on est contre un petit loulou qui commence la RTA qui a des mobs niveau 30, ça met extrêmement bien. J'espère au moins qu'il va la gagner avec son Bergil broken. Voyons voir un peu comment ça se passe. Du coup, il a le premier tour, il va pouvoir aller chercher directement le stun sur Tianlang, mais je pense qu'il n'aura pas les dégâts parce qu'il a un counter insane de notre côté. C'est mais. Donc les counters évidemment de Trix, il y en a plusieurs. Il y a le Egang, il y a évidemment c'est mais, hein, vous le voyez ici. Du coup, il y a Veromos qui est un excellent counter et on a également Juno par exemple qui sont de très très bons counters à ce mob là. Tous les mobs hauts sont des counters, donc Abelio c'est intéressant aussi contre lui, contre Trix. Après, ça dépend un peu de la compo que t'as à côté, mais au niveau des counters, voilà, pour Trix globalement il y a pas mal de counters. Mais ce mob est quand même jouable, c'est pour ça que le mob à 51.5% de winrate est actuellement en RT1 et vous allez découvrir pourquoi de suite. Du coup, voilà les petits potes, on arrive au terme de la vidéo showcase sur le hacker feu. Que dire en deux mots? Eh bien, c'est un bon mob. Pour moi, c'est un excellent mob même, le meilleur des élémentaires. Au moins, les counters, évidemment, vous l'avez vu comme moi, c'est Egang. Gap sur Ragdoll, si t'as pas de quoi gérer avec DLD, c'est compliqué. Juno Veromos, si tu draftes mal et que tu prends pas de quoi gérer Juno Veromos, c'est-à-dire des knockers monoïdes ou beaucoup de contrôle ATB, c'est compliqué. Mais ça reste néanmoins un mob qui est super intéressant, je trouve. Je pense plutôt à un mob de deuxième slash troisième rotation, pas vraiment première rotation, parce que bah, Egang existe. Et quand tu joues ce mob là, t'as 9 chances sur 10, comme t'as pu le voir, de te manger un Egang, et c'est normal. Egang est trop fort. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et ciao ciao les potes, c'était Tito.